Bonjour à tous, on est à l'intérieur d'une DeLorean. Absolument, absolument. Alors moi je m'appelle Jérôme avec un G et je suis l'heureux propriétaire, alors quand je dis heureux c'est avec un grand H, propriétaire d'une DeLorean, réplique du film Retour vers le futur. Alors explique-nous ce projet un peu fou du coup. Alors écoute, moi je suis fan de Retour vers le futur depuis que j'ai 8 ans. J'ai découvert ce film avec ma sœur qui avait le poster du film dans sa chambre. Et elle m'a dit, t'inquiète pas, je vais te montrer le meilleur film de tous les temps. Et son jeu de mots pourri, hein, de tous les temps. Et c'est vrai que je suis tombé amoureux du film tout de suite. Et très rapidement, j'ai trouvé que ce personnage de la DeLorean était le personnage le plus important. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, je rêverais d'avoir une DeLorean dans ma vie. Et ça a pris pas mal d'années, parce que forcément, quand t'as 8 ans ou quand t'as 14 ans, 15 ans, bah, tu peux pas te payer une DeLorean. Ouais. Et en 2015, je me suis dit, allez, je passe le cap. Et je me suis dit, je vais acheter ma DeLorean. J'ai acheté ma DeLorean sur le bon coin, même si ça paraît assez surprenant. Et j'ai passé, depuis toutes ces années maintenant, à la restaurer. Alors quand je dis restaurer, c'est tout ce qui est au niveau de la mécanique, faire une réfection du moteur, liquide de refroidissement, injection, tout ça. Et puis après, à faire tout ce qui est thématique Retour vers le futur, parce qu'à l'origine, elle n'a pas tous ses accessoires et tout le bordel qu'il y a à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est quelque chose qu'on a monté pour le film, enfin pas pour le film, pour faire une réplique du film tout simplement. Ok. Et du coup, c'est quoi le coût d'un tel projet? Alors, à l'époque où j'avais acheté ma DeLorean, elle était à 30 000 euros à peu près. Aujourd'hui, tu en trouves à 60, 70 000 euros. Et la customisation, en fonction du niveau du détail que tu veux atteindre, ça peut aller jusqu'à 100 000 euros de plus. Là, on est à peu près à 90 000 euros de travail. Là. Parce qu'il y a des pièces sur la voiture qui sont rares ou difficiles à trouver ou faites sur mesure. Donc du coup, ça augmente la note assez rapidement. Alors, combien de temps a mis tout ce projet du coup? Et bah, du coup, comme je t'ai dit, je l'ai acheté en 2015, ouais. Quelques mois avant la date fatidique du 21 octobre. Et du coup, bah, c'est un travail qui même continue aujourd'hui. Quand on fait des animations comme ça, des conventions, on fait payer l'accès au stand à hauteur de 5 euros. C'est 5 euros, c'est pas 5 euros qui revont dans ma poche, malheureusement. Ouais, c'est 5 euros qui me permettent justement d'aller plus loin dans le projet de construction de la voiture. Parce que il y a encore au moins une dizaine de milliers d'euros de travaux à faire dessus. Même si, dans le détail, t'as du mal à discerner ce qui manque sur la voiture. Moi, en tant que passionné et fervent amateur de la DeLorean, je sais absolument ce qui manque. Et du coup, j'aimerais aller jusqu'au bout du projet. Après, j'aimerais par exemple la convertir en version du 2 également avec le Monsieur Fusion. Faire la version du 3 avec les roues rouges, avec le bordel sur le capot à l'avant du moteur. Il y aura toujours quelque chose à faire et je pense que c'est un projet qui m'aura à l'usure, je pense. Mais là, du coup, avec ça, tu reviens en arrière, tu trouves les sous que t'as investis et puis ça... Exactement. En fait, quand on fait une convention comme ici à la Savoir Retro Games, je redémarre la journée pour pouvoir repartir sur un nouveau budget. Donc du coup, au final, ça va me prendre quelques minutes pour financer ce projet. Quand j'ai vu le métal brossé en fait sur la carrosserie, je pensais que c'était toi qui avais du coup décapé toute la peinture et qui avait brossé toute la carrosserie, mais non, raconte-nous un peu l'histoire. Alors, il faut savoir qu'une DeLorean d'origine, elle sortait d'usine en inox brossé. Exactement dans la façon dont tu la vois dans le film, exactement dans la même façon dont tu la vois là. C'est pas un effet artistique qu'ils ont voulu recréer, c'est vraiment d'origine comme ça. Alors l'inox brossé, c'est pas de l'alu, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus lourd. C'est ce qui porte aujourd'hui la voiture à ses 1 tonne 3, hein, c'est vraiment toute sa carrosserie. D'origine, c'est comme ça. Après, effectivement, dans certains pays, comme dans les Émirats Arabes, il peignait la voiture en rouge pour éviter que ça soit une poêle à frire. Parce que c'est vraiment, tu la mets au soleil, tu peux cuire des œufs et du bacon un petit peu à la hot shot, tu vois, sur le capot. Donc du coup, ils avaient fait ça pour pouvoir ménager un petit peu plus la voiture. Dès que tu as des pointes à 30 ou 40 degrés à l'intérieur de la voiture, tu crames, quoi. C'est vraiment un fourneau là-dedans. Mais ils ont sorti quelques voitures officiellement en or plaqué avec American Express. Il y en a trois. Et il y en a une qui, aujourd'hui, on sait où est-ce qu'elle est, elle est au Peterson Museum à Los Angeles. Et c'est là où est localisée aujourd'hui la vraie DeLorean de Retour vers le futur. Donc il y a vraiment dans ce musée-là deux modèles complètement uniques.
Oui, la question que je me pose, par exemple, l'année dernière, il y avait une voiture K2000, je sais pas si tu avais vu, et en fait, eux, ils se fournissaient en Italie principalement, il y avait un fournisseur qui était vraiment spécialisé dans les pièces de K2000. Est-ce que pour Retour vers le futur, tu as un fournisseur, alors italien ou autre, peu importe, qui soit spécialisé dans Retour vers le futur, ou est-ce que tu es vraiment obligé de te débrouiller à trouver les mêmes câbles, etc., les mêmes nappes, comme on voit là sur le plafond, je le montrais en vidéo. Il n'y a pas de fournisseur officiel qui va faire de la pièce Retour vers le futur. Tu as plusieurs fournisseurs. Tu as Eric Moreto qui est en Alsace, qui lui est capable de reconstruire les circuits temporels, que je vais te montrer dans un instant. Il est capable de les reproduire. Tu as Bob's Prop Shop au Texas, qui est capable de faire même des time machines complètes. Cependant, on essaye vraiment, de, je ne vais pas dire de faire du maison, mais de le faire nous-mêmes, histoire de faire notre interprétation de la DeLorean et d'être au plus près possible du résultat final. Parce que, il faut imaginer que quand Michael Chaffeux et Travis Bell, John Bell, excuse-moi, ont designé cette voiture. D'ailleurs, ce qui est marrant en parlant de K2000, Michael Chaffeux qui a designé K2000 aussi, elles sont cousines, hein, la DeLorean et K2000, c'est ça qui est rigolo. Mais quand ils ont designé cette voiture, ils sont partis dans des réserves de produits du surplus américain pour la construire. C'est-à-dire que déjà en 1985, pour retrouver les pièces qu'ils avaient besoin pour utiliser pour créer la voiture, c'était déjà une galère monstrueuse. Alors t'imagines aujourd'hui, en 2018, pour retrouver exactement les mêmes pièces, c'est une horreur. Par exemple, sur le plateau arrière, tu verras, il y a une espèce de grosse turbine noire là où tu mets les jauges de plutonium. C'est quand même sorti d'un réacteur d'un avion, de jet. Tu vois, par exemple, t'as un enjoliveur de Cadillac de 1960, t'as des silencieux de camions en turbo, tu vois, t'as pas mal de petites pièces comme ça qui sont vraiment difficiles à trouver, des compresseurs de pannes d'hélicoptère des années 70, tu vois. Donc aujourd'hui, on essaie de faire au plus proche si on n'arrive pas à avoir la même pièce, mais si tu vois par exemple un réveil Bulova, aujourd'hui ça vaut 600-700 euros. Tu vois, un boîtier de convecteur temporel, c'est 400, 500, 600 euros. Donc, c'est ça qui fait monter la note assez rapidement. Mais il y a des gens qui peuvent te la construire pour toi. Mais la meilleure expérience, c'est quand c'est toi qui mets les mains dedans. C'est là où c'est cool. Ok, et donc finalement, pour le personnage, toi, t'as préféré Biff, quoi, que... Eh ben écoute, moi, normalement, je fais Doc. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit... Tu ferais mieux de faire Biff. Et du coup, j'ai abandonné Doc. Et là, c'est ma première saison en Biff. Et les gens trouvent ça très drôle. Donc, je m'amuse beaucoup à traiter les gens de bananes ou de mouches à merde déguisés en sapin de Noël. Donc, j'ai changé de personnage. Mais moi, ça me dérange pas de faire Doc, de faire Biff. De toute façon, le cosplay, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de genre, il n'y a rien. Tu vois. Donc, même si je voulais faire un Doc qui fait 130 kilos comme je veux aujourd'hui, bah, je suis libre de le faire et faire comme je veux. Mais c'est vrai que Biff, je ressemble pas mal, il y a les attitudes ou des trucs comme ça qui peuvent être pas mal. Un petit message à l'endroit de ceux qui veulent faire la leur, en fait, de réplique. Surtout, alors, il y a plusieurs choses qu'il faudrait faire. Déjà, c'est s'inscrire sur le forum Stainless Wings, donc les ailes d'inox en français, Stainless Wings, qui est le forum officiel de DeLorean France, enfin officiel. C'est une association, mais on est tous les propriétaires de DeLorean en France, on se retrouve tous sur ce forum, alors que ce soit propriétaire de DeLorean d'origine ou bien Time Machine, parce qu'on est trois ou quatre à en avoir une en France de Time Machine, mais on est tous sur ce même forum, on fait des rassemblements tous les ans, voire tous les deux ans. Là, il y a un rassemblement national à Hambourg en Allemagne, on va y aller avec le club français, le club allemand, le club espagnol. Donc déjà, ça serait le premier truc, c'est s'inscrire sur ce club-là, qui est très intéressant. Et après, il y a des groupes Facebook qui s'appelle DeLorean Time Machine 1-1, donc 1 sur 1, pour faire la ta réplique. Et là, il y a toujours des bons tuyaux sur où trouver certaines pièces, ou faire des commandes groupées pour aller plus rapidement. Mais voilà, ce seraient vraiment les deux adresses indispensables. Et où te trouvais toi, du coup, ton asso? Alors moi, je suis pas une asso, hein, je suis une entreprise, on s'appelle la DeLorean Experience. C'est une marque qui est utilisée par mon entreprise qui s'appelle Tadico Events. Nous, on est spécialisé dans l'événementiel de convention, on fait que ça. C'est-à-dire qu'on a trois gros projets massifs, bon allez, quatre gros projets massifs en convention. Le premier, c'est la DeLorean de Retour vers le futur. Le deuxième, ça sera la voiture d'Harry Potter, la Ford Anglia, peut-être que tu la verras ici l'année prochaine. Le troisième projet, c'est Hollywood Experience, qui est un spectacle interactif sur le monde du cinéma. Et le quatrième projet, c'est que je suis hypnotiseur.
hypnotiseur. Alors fais gaffe quand tu me regardes. Et du coup, j'hypnotise des gens sur les salons. Mais ma société, c'est Tadico Events. Pour la DeLorean, c'est DeLorean Experience. Facebook, Google, tu cherches partout. On a un site web, on a tout ce qu'il faut. Et donc là, qu'est-ce que tu vas me montrer, hein, tu vas me montrer le voyage dans le temps dans la voiture. Exactement. Alors du coup, tu vois, à bord de cette voiture, forcément derrière toi, tu as le convecteur temporel qui est en train de temporiser. Et devant toi, tu as tous les circuits temporels. Les circuits temporels s'activent grâce au levier qui est juste au milieu. Et par exemple, à quelle date veux-tu voyager? C'est quoi ta date de naissance, par exemple? 2-11-75, allez. Le combien? 2-11-75, de novembre 1975. Ah, mais carrément, quoi. Alors, 2 novembre, hein, on est d'accord. Ouais. Ok. Donc, tu as bien la date qui est en route. Ce qui veut dire que maintenant, si j'essaye de voyager aux 88 miles à l'heure, j'ai juste à regarder le compteur de vitesse et je monte à 88. Et forcément, dès que j'atteins les 88... Eh oui, t'as voyagé dans le temps et aujourd'hui, bah voilà, on est bien arrivé le 2 novembre 1975. Par contre, si tu fais un point sur les jauges de plutonium qui sont là-bas, juste devant toi, tu peux voir que malheureusement, si on essaye de repartir, ça va être un peu compliqué. Il va falloir forcément recharger les jauges de plutonium avant de repartir.